Et dans le Haut-Katanga, on parle ce jeudi de l'installation du grand chef Boalia Lubenge Kapunda. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula. Installation ce jeudi 21 mai du grand chef Boalia Lubenge Kapunda. C'est le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, quelques députés provinciaux avec à leur tête le président de l'Assemblée provinciale, Freddy Kachoba Lubi, les membres du gouvernement provincial et le président national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, Godefroy Munongo Kaniranera. Bien avant l'installation, le gouverneur de province a prodigué quelques conseils aux chefs coutumiers, surtout en ce qui concerne la gestion de la redevance minière. Les vœux de l'honorable Jacques Kiaboula Katwe est de voir cette chefferie se développer dans un bref délai par et à travers la redevance minière. Dans ce qu'on appelle redevance minière. La constitution yetu, il peut chef de chefferie après agent de développement. Akuye na makuta, il est la toka pour ma société minière. Na, il est makuta takwa nayo. Aiko makuta, ya yekuina nayo. Allez, tout à coup, prochainement, mumaka moya, tukute pakuye mashamba. Tukute pakuye manyumba, tukute barabara ikwe mzuri, pourquoi pas furaha ingie. Et pour sa part, le ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Michel Mvonzi, a exhorté les deux parties autrefois en conflit à fumer au calumet de la paix et surtout à cultiver l'esprit des dialogues pour éviter tout différent. Quand il n'y a pas de dialogue, tout devient compliqué, les problèmes bénins deviennent beaucoup plus grands. Mais une fois qu'on amorce le dialogue, on se rend compte qu'on peut se faire des concessions et arriver à un résultat. Et c'est ce qui est arrivé ces jours. Je voulais seulement dire à tout le monde que dans la vie, on ne gagne pas seul, on gagne toujours ensemble. En guise de rappel, cela fait 30 ans que la chefferie Kapunda vivait le bicéphalisme au trône. Cette réconciliation fait suite à la médiation organisée par le gouvernement central.